Soyez les bienvenus à l'Ullevål Stadium, ici à Oslo, pour cette troisième journée de Ligue des Nations, Norvège-France. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur France 4 pour ce match, cette double confrontation qui s'annonce entre la Norvège et la France ce soir à Oslo, mardi prochain à Reims. Bonsoir Louzane et Philippe Cadamuro. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Double confrontation qui s'annonce cruciale car l'équipe de France peut d'ores et déjà faire un grand pas vers le Final Four à l'issue de ces deux matchs. Oui, c'est vrai qu'elles ont très bien débuté cette compétition avec deux victoires, deux clean sheets, donc beaucoup de solidité défensive. Et qu'aujourd'hui, si elles gagnent, elles feraient un pas en avant vers la qualification pour ce Final Four. On va voir d'ailleurs, Louisa, le classement de ce groupe en Ligue des Nations pour l'équipe de France après deux journées. Ça a été le carton plein pour les filles d'Hervé Renard. 6 points en deux matchs, 0 but en caissé, on le disait. Le Portugal affronte actuellement l'Autriche et c'est quasiment le match de la dernière chance pour la Norvège pour espérer sortir de ce groupe 2 dans cette Ligue des Nations. L'Ullevål Stadium, décorum de ce match donc entre la Norvège et la France, avec Stéphane Lippert qui est à nos côtés ce soir. Stéphane, température très fraîche, mais quand même pas mal de monde en tribune ce soir. Oui, température fraîche, 2 degrés, donc choc thermique pour les Françaises qui ont perdu 2 degrés depuis leur 10 degrés depuis leur arrivée en Norvège depuis la France. Et puis ce stade Ullevål, 10 à 12 000 personnes ce soir sur les 28 000 qu'il peut contenir. Ullevål, c'est le stade des équipes nationales masculines et féminines. L'équipe féminine en forte baisse depuis quelques années. Elle a été championne du monde, championne olympique, championne d'Europe également, mais elle n'a plus battu la France depuis 20 ans. Est-ce que vous pensez, Louisa, que Stéphane Lippert a froid ce soir? Oui, je pense comme nous d'ailleurs. Bon, c'est vrai que le ressenti est un petit peu en dessous des 2 degrés ce soir ici à l'Ullevål Stadium d'Oslo. Et on va retrouver Grace Gaillerot justement il y a quelques instants au micro de Stéphane avant cette confrontation qui s'annonce très athlétique face aux Norvégiennes ce soir. Honnêtement, elles sont très solides, très compactes, elles défendent ensemble. Et voilà, elles ont beaucoup de taille aussi sur les coups de pied arrêtés. Voilà, c'est une équipe qui ne va rien lâcher. Aujourd'hui, on sait qu'elles ont besoin de points aussi. Donc, elles sont à la maison. Donc, je pense qu'elles ne vont pas vouloir nous faire de cadeaux. Ça va être à nous de bien réagir, bien commencer ce match. Et voilà, comme d'habitude, donner le maximum. C'est un match qui va se dérouler dans des conditions particulières, 1 ou 2 degrés simplement ce soir. Comment vous préparez face à ce froid ? C'est sûr, il va faire très froid. Hier, on l'a vu lors de l'entraînement veille de match qu'il allait faire très froid encore aujourd'hui. Mais voilà, on va s'adapter. C'est comme ça, on sait qu'on joue à l'extérieur. Maintenant, elle comme nous, on a les mêmes températures. Ça va être à nous de bien nous échauffer, de bien nous préparer et d'entamer ce match de la meilleure manière possible. Alors Louisa, la Norvège, vous connaissez bien. En 2005, votre première sélection, c'était justement face aux Norvégiennes. On peut s'attendre à un jeu très direct des Norvégiennes ce soir. Oui, ce sont deux équipes, qui se connaissent parfaitement. Donc bien entendu, une confrontation de style avec une équipe norvégienne qui va avoir du jeu très direct, très vite vers l'avant, avec un bloc compact, beaucoup d'agressivité et de force athlétique. Mais les Françaises ont toutes les qualités pour venir embêter cette équipe norvégienne, notamment par la qualité technique, la vitesse et la prise d'espace. Parce que dans le dos de cette défense norvégienne, il y a beaucoup d'espace. Les Françaises et les Norvégiennes prêtes à faire leur apparition, leur entrée sur la pelouse de l'Ullevål Stadion. Emmenée évidemment par Wendy Renard qui portera une nouvelle fois le brassard de capitaine ce soir. Et avec Constance Picot qui gardera la cage. Comme lors des deux premiers matchs de cette Ligue des Nations 2023-2024. Match hyper important pour les Norvégiennes qui ont mal démarré la compétition, seulement un point en deux matchs et qui jouent certainement leur dernière chance ce soir pour espérer atteindre les demi-finales de la Ligue des Nations. Victoire impérative face à l'équipe de France mais avec pas mal d'absences. Graham Hansen notamment et Gerberg n'a pas été sélectionné non plus. Et la Marseillaise. Thank you.
Et on a croisé pas mal de supporters français à Oslo aujourd'hui, venus encourager ici l'équipe de France. Et maintenant place à l'hymne norvégien. Le match est capital pour la Norvège qui doit retrouver son rang, on le disait. Vous avez cible une nation qui est 13e au classement FIFA aujourd'hui. On le rappelle que la Norvège a été championne du monde en 1995, championne olympique en 2000, championne d'Europe à deux reprises. Mais depuis, voilà, cette équipe norvégienne a du mal à retrouver son lustre d'antan avec deux changements à la tête de la sélection en l'espace de quelques mois. Équipe emmenée désormais par Leif Gunnar Semrud, qui a succédé à Egger Riese, qui n'a pas résisté à l'élimination face au Japon en 8e de finale de Coupe du Monde. Et avec pas mal d'absentes, on le disait, côté norvégien, Louisa. Notamment oui. Graham Hansen. Oui, c'est vrai qu'on va retrouver une Graham Hansen sur le banc. C'est assez surprenant quand on connaît la qualité de cette joueuse, hein, l'expérience qu'elle peut apporter et surtout cette touche technique de créativité à cette équipe. Et puis, ça fait maintenant un petit moment que l'on ne voit plus Ada Hegerberg au sein de cette équipe nationale, qui est quand même la star norvégienne. Mais attention, parce qu'au sein de ce 11 de départ, il y a énormément de qualité. Et côté français, la surprise, c'est la première sélection aujourd'hui pour Julie Dufour, l'attaquant du Paris FC, qui va passer un gros test, Louisa. Oui, c'est vrai, c'est pas un cadeau, elle le mérite. Elle fait un super début de saison avec son club du Paris FC, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Elle est quand même en 7 réalisations, en 9 matchs, toutes compétitions confondues. Donc voilà, elle va connaître une première titularisation et surtout une première sélection au sein de cette équipe. Et avec une arbitre anglaise aujourd'hui, Rebecca Welch. Amandine Henry titulaire dans l'entrejeu. Confiance maintenue à Constance Picot dans la cage, même si du côté du Paris Saint-Germain, elle ne dispute pas tous les matchs depuis le début de saison, en alternance avec la Polonaise Keder Zinek. Les derniers mots de Maren Mjelde, la capitaine norvégienne, pour motiver ses troupes avant ce match face à l'équipe de France. Cette double confrontation, on le disait, ce soir à Oslo et mardi prochain à Reims, au stade Auguste Delaune. Et si l'équipe de France fait le carton plein, l'équipe de France aura de grandes chances d'être en demi-finale de cette Ligue des Nations au mois de février prochain. C'est parti ici à Oslo, le coup d'envoi donné par Eugénie Le Sommer. Et tout de suite, ce ballon reçu en plein visage par Roman Haug, sonné après quelques secondes de jeu seulement. L'attaquante de Liverpool qui s'est relevée. Et du fait de la titularisation de Julie Dufour, on retrouve Selma Bache un petit peu plus dans le cœur du jeu aujourd'hui, Louisa. Oui, je suis curieuse de la voir évoluer à ce poste-là. On connaît ses qualités. Hein. Elle a énormément de qualités, notamment de percussion, de vitesse sur son couloir. Elle aime partir de loin, lancer. Et là, elle va être un peu plus dans la densité au cœur du jeu. On va voir si elle va être capable
d'apporter ce volume de jeu et notamment être capable de sortir d'un pressing dans des petits espaces. Et première faute signalée sur Eugénie Le Sommer. Tout de suite, c'est Eugénie qu'on trouve entre les lignes. Elle a cette capacité de déplacement, venir se mettre entre la ligne défensive et la ligne de milieu de terrain. Et Dufour qui va combiner avec Grace Gaillon. Darchaoui maintenant. Avec Ridgenbock. Pour la première fois titulaire depuis septembre 2022 en équipe de France. La dernière fois, c'était face à la Grèce. On rappelle cette grave blessure au genou. Elle a connu sa première titularisation avec l'OL. Elle a joué 90 minutes complètes le week-end dernier, Ridgenbock. Elle retrouve progressivement ses sensations. Et Hervé Renard lui a fait confiance dans l'axe ce soir, associé à Wendy Renard. Norvégienne à la relance avec Mjelde. Il va allonger le jeu. Ce jeu direct qu'on évoquait de la part des Norvégiennes, on peut s'attendre à un gros combat ce soir. Le centre dévié par Wendy Renard. Constance Picot qui peut s'emparer de ce ballon. C'était bien joué du côté de Mjelde. Quand on parle du jeu direct norvégien, on en a l'illustration parfaite sur ce premier ballon. Hein, mais tout de suite, elle cherche long. Mais c'est très bien trouvé dans l'espace. Elle a trouvé l'Ovenus. Et puis derrière, un ballon dans la surface française. On a vu que Wendy est venu mettre sa tête sur ce ballon de l'Ovenus. Mjelde qui n'obtiendra pas la touche. Et le voilà, le sélectionneur Leif Gunnar Smerud. Ancien sélectionneur des U21 chez les garçons. Et donc qui est arrivé juste après la Coupe du Monde. Et c'est vrai que ça fait deux grandes compétitions compliquées pour les Norvégiennes. Éliminées en huitième de finale par le Japon cette année à la Coupe du Monde. Éliminées au premier tour de l'Euro l'an passé, on le rappelle, en encaissant la plus large défaite de leur histoire, 8-0 face à l'Angleterre. Ça a marqué les esprits ici en Norvège. La profondeur, l'intervention de Renard, pourquoi pas, le centre en retrait, il y a danger dans la surface de réparation française. Ouais, ça fait deux fois que Mimi Le Vénus, c'est un petit peu la panique dans cette défense centrale, la numéro 21, c'est sa toute première sélection à l'âge de 29 ans, l'attaquante norvégienne, et elle joue ici dans ce stade régulièrement, puisque le stade, c'est le stade de Vålerenga, qui est en tête, qui va sans doute être sacrée championne de Norvège cette saison. Il y a deux joueuses de Vålerenga qui jouent et trois joueurs du championnat de Norvège dans cette équipe norvégienne aujourd'hui. Il faut faire attention. Au départ, c'était un manque de concentration. Selma Vacher était beaucoup trop bas sur la touche. Et sur une tête, on a trouvé tout de suite une déviation dans le dos de Wendy Renard. Doris Dautir. Bien prise là par le pressing français. Julie Dufour, côté gauche, qui va emmener ce ballon. Tenter de déborder. Oh, c'est bien et fait. C'est bien fait de la part de Dufour, la joueuse du Paris FC. Qui fait un début de saison sensationnel. 7 buts depuis le début de saison pour Dufour. Avec le club parisien. Qualifié pour la Ligue des Champions, on le rappelle. La voilà Julie Dufour, le centre tendu au point de pénalty. Et le long dégagement de Coris Gauthier. Ballon récupéré par Amandine Henry au 25 mètres. La frappe contrée, captée sans problème par Aurora Mikkelsen. Et tout de suite, la présence d'Amandine Henry sur ce deuxième ballon. Et elle était déterminée à frapper au but. La frappe, le ballon a été ralenti. Engen qui va chercher la profondeur
une nouvelle fois vers Love Venus. Yeldo. Risque de tir encore. Karchali qui obtiendra la touche. Le ballon, il est français. Récupération Gayoro. Dufour. A beaucoup de densité. À côté ballon, les Norvégiennes, elles mettent beaucoup d'agressivité à la récupération. Il faut être propre techniquement pour pouvoir se sortir de ce pressing. Et Julie Dufour qui connaît donc ses premières minutes en bleu ce soir. Elle faisait partie du dernier rassemblement en septembre, mais n'avait pas joué. Elle récupère ce ballon, Julie Dufour, la parisienne. Elle a de l'espace maintenant, elle va rentrer dans la surface. Le centre de Dufour, personne à la réception au deuxième. Diani. Avec De Almeida qui occupe le poste de latéral droite ce soir du fait du retour de Grijenbock dans l'axe. C'est un bon ballon, dans la surface, Amandine Henry qui va obtenir le premier corner de ce match. C'est bien joué. On a vu Amandine Henry se proposer dans l'espace et dans cette surface de réparation, casser les lignes. Bon ballon de De Almeida. Et puis derrière ce centre qui est contré, qui donne un corner pour l'équipe de France. Et corner qui sera évidemment frappé par Selma Bacha et son pied gauche. Selma Bacha, buteuse face au Portugal. Premier poteau vers De Almeida. Passé soulevé ce ballon. Deuxième tentative pour la Lyonnaise. Ah, c'est très très bien défendu. Hein. Très très bien défendu. La Norvégienne ne s'est pas laissée prendre par la fin de centre de Bacha. Et puis derrière qui passe devant, qui met son corps en opposition et qui laisse filer ce ballon en 6 mètres. On va voir. Hein. C'est bien défendu. Bien accompagné. Elle est venue buter là sur Boerissa, la joueuse de l'Atlético de Madrid. 66e sélection ce soir pour Boerissa. Doris Dautir. Contrée par Julie Dufour qui a effectué un bon pressing. Ça fait 2-3 fois que Julie Dufour vient contrer Doris Dautir qui met du temps dans cette relance qui a du mal. Darchaoui avec Amandine Henry qui va repasser vers sa capitaine Wendy Renard. Sa coulisse. On voit un vrai 4-4-2 du côté de la Norvège. Deux lignes de 4 et c'est deux attaquants devant qui font le premier pressing sur la largeur. Ça coulisse bien, ça ferme les espaces. Ah, elle était passée, elle aurait pu continuer le long de la touche, Karchaoui. Ouais, c'est tellement un 4-4-2 qu'en fait, Wendy Renard... Et Grijenbock font une individuelle sur les deux attaquantes de pointe norvégiennes. Hein. C'est du 1 contre 1 à chaque fois. Renard s'occupe de Lovenus et Grijenbock de Haug. Wendy Renard en retrait vers sa gardienne, Constance Picot. Constance Picot qui a envie de s'installer dans la peau numéro 1, de convaincre également les dirigeants du Paris Saint-Germain de lui faire encore plus confiance. Et ça passe par de bonnes performances en équipe de France également. Darchaoui. Bon ballon dans l'intervalle. C'est bien combiné. Avec Julie Dufour qui va les percuter. Repiqué dans l'axe maintenant. Service plein axe vers Selma Bacha qui a cherché l'ouverture pour frapper. Décalage à gauche maintenant. Avec Dufour. Et nouveau corner pour les Bleus. Bien joué, hein. Le jeu penche réellement sur ce coup des coches, elle est très active du four. Et puis on voit encore une fois les courses dans la verticalité de Grèce de Euro, elle joue très juste en une touche pour trouver le décalage sur du four. Derrière elle sent, ça donne encore un corner pour cette équipe de France. Bien joué, on a vu que l'équipe de France a été patiente, a travaillé sur la largeur pour ensuite trouver ce décalage côté gauche. Encore le pied gauche de Selma Bacha. Corner tendu, deuxième poteau. Ça revient dans l'axe. Amandine Henry
avec Dufour. Gayoro. Coulisse le jeu à droite maintenant, c'est bien fait. Le centre de Gianni, repoussé par Sophie Haug, mais ça va revenir. De Almeida, directement dans les gants de Roran Mikkelsen. Eugénie Le Sommer qui attendait ce ballon au deuxième poteau. Alors c'est vrai que pour l'instant, Louisa, le bilan comptable, il est excellent du côté de l'équipe de France. On est resté un petit peu sur notre fin à l'issue des deux premiers matchs. Il y a eu pas mal d'inconstances dans le jeu des Françaises. Oui, c'est vrai qu'en effet, elles ne sont pas capables de tenir sur la durée, sur un match de 90 minutes. On voit des bonnes périodes de cette équipe de France, mais ça manque de maîtrise collective sur l'ensemble du match. Donc on attend beaucoup plus de ces joueuses sur le jeu collectif, sur la qualité technique, sur le mouvement qu'elles peuvent apporter. Et Hervé Renard qui a fixé cet objectif hein, d'aller décrocher cette Ligue des Nations, d'aller chercher un titre avant la grande échéance de 2024. Ce sera évidemment les Jeux Olympiques l'été prochain, avec de gros matchs qui attendent les Françaises à domicile, avec une grosse pression également. Et ce sera évidemment sur France Télévisions. Dommage, elle lui met dans le dos. Julie Dufour face à Toris Dautier, elle va jouer en retrait finalement vers Karchaoui qui va tenter de percuter la talonnade. Et la récupération de Gayoro. Karchaoui cherche l'ouverture côté français face à un bloc bien regroupé avec ses deux lignes de 4. Selma Bacha en train de reculer, de rejouer derrière avec Rijembok. Elle est encore là, Gayoro. Hein. Ah, Hervé Renard qui demande à Julie Dufour de bien rester collée à la ligne côté gauche pour étirer ce bloc norvégien un maximum. Exactement, et plus elle est sur le long de ligne, sur la largeur, et plus à l'intérieur ça va créer de l'espace pour Rijembok, pardon. Pour Grace Gayoro et Selma Bacha. Ah bien joué, ce ballon tout de suite vers l'avant. Elisa de Almeida. Il a trouvé un relais avec Selma Bacha. À une touche de balle, Eugénie Le Sommer. Ballon récupéré une nouvelle fois par les Françaises. Positionnée très haute. Les Françaises, c'est tout de suite, elles sont dans le contre-pressing, très agressives sur le deuxième ballon. Elles récupèrent le ballon assez haut. Elles ont la maîtrise du ballon durant ce premier quart d'heure de jeu, les Françaises. C'est elle qui donne le tempo. Hein. Elle est toujours bien placée, hein, Gayoro. Se propose dans l'interligne. Le ballon qui circule bien côté français. Il lui parlait à Amandine Henry. Elle pouvait se retourner, se mettre face au jeu. Et l'entraîneur norvégien qui demande à ses joueuses de monter d'un cran là. Pour presser les Françaises. C'est forcé de la part d'Amandine Henry. C'est dommage. Dufour n'était pas parti dans la profondeur. Il faut attendre l'appel. Hein. On dit souvent que c'est l'appel qui amène la passe et non pas le contraire. La remise en jeu de Karchaoui. Mandy Renard contré. Tout de suite, il y a une Française sur le ballon, notamment Eugénie Le Sommer. Avec cette équipe norvégienne qui est privée de ballon, qui n'a pas beaucoup de séquences de possession, qui attend et qui subit pour l'instant. Karchaoui. Passe mal ajustée en direction de Grace Gayoro. Oerissa en retrait. Harviken. Avec Mielde maintenant.
Elle en abuse un peu du jeu long, Mieldé. Il n'y avait aucun décalage de fait. Là, elle avait Toris de tir sur sa droite. On rappelle les résultats des Norvégiens lors des deux premiers matchs de Ligue des Nations. Un match nul, un partout face à l'Autriche et une défaite 3-2 face au Portugal. Un seul point en deux matchs. Et un centre repoussé maintenant par la tête de Wendy Renard. Il faut leur être bien concentré, bien appliqué, hein, parce qu'on va envoyer les centres, les Norvégiennes. Elles ont deux attaquants dans cette surface de réparation qui pèse. On voit la bonne protection hein, de Dufour sur ce ballon. La poussette de Toris de tir. Et on réclame déjà le maillot de Sakina Karchaoui ici à Oslo pour la fin de match. Elle avait déjà des admiratoires, des admiratrices en Autriche pour le match précédent. C'est aussi le cas à Oslo ce soir pour la joueuse du Paris Saint-Germain. Hors-jeu. Et le drapeau qui s'est levé, effectivement, position de hors-jeu. Et ça va permettre à cette équipe de France de se dégager. L'équipe de France qui n'a plus perdu face à la Norvège depuis septembre 2003. Ça fait 20 ans que les Bleus n'ont plus perdu face aux Norvégiennes. Ouais, 12 matchs, 7 victoires, 5 nuls. Et aucune victoire norvégienne depuis la Coupe du Monde 2003. Oh, bien joué ce contrôle. Hein. C'est propre. Hein. Belle C'est séquence propre. De conservation de la balle de la part des Norvégiennes qui pour l'instant ne se sont pas créé la moindre occasion face à l'équipe de France. Après quasiment 20 minutes de jeu. Ah, ça, c'est un bon ballon dans l'intervalle pour Maloum. Bien chassé d'apparemment Ninori. Et ça paye puisque le ballon il est récupéré par l'équipe de France. Ah, c'est dommage, elle avait la solution tout de suite sur Lund qui avait pris ce couloir gauche. Elle a préféré la garder temporisée. Puis derrière Amandjinari qui fait un super retour. Le sommaire, la talonnade, que c'est bien fait, Verdiani qui arrive lancé. Et la couverture de Maren Mieldé qui met ce ballon en touche. Et on a vu encore toute l'intelligence de jeu de Jenny Le Sommer. Bonne inspiration sur cette déviation pour Gianni. Derrière Mieldé avait bien lu le jeu. Gianni, le centre en première intention vers Dufour qui avait armé sa reprise de volée. Ça manquait de présence côté français dans cette surface de réparation. Seulement Dufour y était. Le centre de Karchaoui. Trop profond ça pour la gardienne. Directement dans les gants de Rora Mikkelsen. Match fermé pour le moment. Avec les filles d'Hervé Renard qui ne trouvent pas l'ouverture dans cette partie. Face à cette solide équipe norvégienne bien regroupée mais qui devra prendre des risques automatiquement dans ce match pour aller chercher la victoire car le succès il est impératif pour la Norvège aujourd'hui pour espérer sortir de ce groupe en Ligue des Nations sachant qu'on le rappelle seule la première place est qualificative pour les demi-finales les Norvégiennes qui accusent déjà 5 points de retard sur l'équipe de France. Et après une heure de jeu, 0-0 dans l'autre match entre l'Autriche et le Portugal. On me glisse Claude Aymar. Ce qui fait évidemment les affaires de l'équipe de France.
Et ça sera un ballon en 6 mètres. Adèle Riera de la Fédération française de football qui est assise en tribune ici à Oslo. Il a fait le déplacement. Elles ont du mal, les Norvégiennes, à ressortir le ballon proprement. Gros pressing des joueuses françaises. Le sommaire qui est venu chercher ce ballon. Amandine Henry, Karchaoui. On va repasser derrière avec Constance Picot. On va dire que Pauline Perromanien est forfait hein, pour ce match. Blessée, remplacée par Marie Petitot. Elle y est. Et le travail est prolongé par Amandine Henry. Récupéré maintenant par Diani. Du bout du pied vers Eugénie Le Sommer qui écarte à gauche avec Karchaoui. On étire le bloc avec Julie Dufour maintenant. Il va insister. Jouer ce 1-2, 1-2-3 même. Elle est dans la surface maintenant Dufour. Le centre en retrait peut-être, la frappe. Oh, le but contre son camp. L'ouverture du score français sur ce but contre son camp de Maren Yelder après ce gros travail côté gauche de Julie Dufour. Et ça fait donc 1-0. Pour l'équipe de France d'Averona. Et c'est parti d'une bonne combinaison de la part des Bleus côté gauche. On revoit la connexion technique entre Dufour et Gueyuro. 1, 2, 3 et puis derrière elle s'infile dans cette surface de réparation. Elle temporise, elle lève la tête, hein. Elle voulait trouver Gianni. Et puis c'est Mieldé qui la met contre son camp, mais encore une fois, beaucoup d'activité sur ce côté gauche. Aide de Dufour. Le centre de Dufour, poussé dans son propre but par Maren Mieldé, la capitaine de cette équipe, la joueuse de Chelsea, qui vient tromper Mikkelsen, et ça fait donc 1-0 pour l'équipe de France. Que c'est dur pour Mieldé, 172e sélection aujourd'hui. Et elle vient malheureusement marquer contre son camp. Et ça fait les affaires de l'équipe de France, 1-0. Et Almeida avec le sommaire. Et finalement, les Françaises qui marquent sur leur première vraie incursion dans la surface de réparation norvégienne. Le réalisme français qui paye une nouvelle fois. Ah, c'est vrai que la France a le monopole du ballon depuis le début de ce match, mais sans réel changement de rythme dans le jeu, sans prise de vitesse. Et puis là, sur cette occasion côté gauche de Dufour, c'est Mieldé qui vient mettre le ballon au fond des cages. Là voilà Mieldé à la relance. La joueuse de Chelsea avec Harvey Kane. Opération Enbok avec Amandine Henry. De Almeida qui va se projeter vers l'avant. La joueuse du Paris Saint-Germain. Le sommeur équipé. Le bon centre, poussé par Mieldé dans l'axe. Et c'est peut-être le moment d'appuyer pour les Françaises avec une défense norvégienne qui doute, notamment dans l'axe. Et Almeida. Il
Wendy Renard en retrait. Oula, on s'est fait bouger là par Love Venus, la capitaine de l'équipe de France. Elle a mis beaucoup d'impact, l'attaquante norvégienne, appelée à l'ordre par Rebecca Welch. Surtout beaucoup de frustration, je pense, du côté de Love Venus, qui court beaucoup hein, sur la largeur pour empêcher ses premières relances françaises. Et Wendy Renard un peu énervé là, qui signale à son adversaire, c'est la deuxième fois qu'elle la secoue un peu fort. On va surveiller ce duel avec attention, Love Venus Renard dans les prochaines minutes. Le sommaire dans le rond central. Ah, c'est bien avec ça. Selma Bacha qui est passée. Plein axe, la Lyonnaise qui va servir dans la profondeur grâce à Gaillero dans la surface. Gaillero qui va temporiser. Je pensais qu'elle tenterait frappe pied gauche. Là, elle avait pris de l'avant sur Miel 2. Elle avait les centimètres qui lui permettaient d'armer la frappe. C'est dommage. Wendy Renard qui va chercher le sommaire dans la surface. Elle a failli passer la Lyonnaise. La meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. Toute proche de se mettre en position de tir. Et à noter l'absence de Marie-Antoinette Katoto. Encore trop juste hein, selon Hervé Renard pour rejoindre le groupe France durant ce rassemblement. Mais on devrait la voir normalement début décembre pour le match face à l'Autriche. Ouais, Katoto qui a marqué son tout premier but après 14 mois d'absence, son tout premier but dimanche dernier à Lille lors de la victoire du PSG 4-0. Et on surveille attentivement également le retour de Delphine Cascarino du côté de Lyon, parce qu'elle aussi elle peut être une arme redoutable pour les Bleus dans l'optique des Jeux Olympiques. Bientôt la demi-heure de jeu, toujours 1-0 en faveur de l'équipe de France. Grâce à ce but contre son camp de Maren Miel 2. Attention norvégienne sur coup de pied arrêté. Très athlétique. Pas pico ça, bien joué. Facile, dans les airs la gardienne du Paris Saint-Germain. Elle se perd du dos, vous le voyez, mais il y a de faire signe que elle va pouvoir jouer quand même. Ah. Oh, c'est léger, hein, elle effleure à peine. Hein. Elle peut relancer à la main, Constance Picot, avec Wendy Renard. Directement dans les pieds d'Engen. Le ballon récupéré très vite par les Françaises. Avec encore Selma Bacha qui se projette vers l'avant, verticalement. Avec Diani. Encore Bacha très disponible. Le pied gauche de la Lyonnaise s'est repoussé dans l'axe. Assez long côté norvégien hein, pour ressortir ses ballons. Du coup, ça permet aux joueuses françaises de se replacer dans le bloc et de faire face au ballon. C'est vrai que pour l'instant, les Françaises ne sont pas mises en danger par cette équipe norvégienne qui manque de créativité. Complètement, elle ne laisse aucune chance aux Norvégiennes qui n'arrivent pas à répondre pour l'instant et au but français. Et on se rappelle qu'en Autriche également, les Françaises avaient complètement étouffé l'entrejeu adverse. C'est encore le cas aujourd'hui. On verra si les Françaises vont être capables de maintenir cette même intensité. Bien joué ça de la part de Renard. C'est un gain de temps de sauter Grijembok et d'aller chercher tout de suite De Almeida. Bacha qui bascule le jeu côté opposé avec Karchaoui. Dufour. Bien joué ce ballon. Karchaoui, c'est bien fait. Karchaoui qui va rentrer dans la surface. Le centre repoussé.
C'est dommage, il faut s'appliquer sur ces centres, sur ce dernier geste. Il faut trouver la bonne zone, la bonne joueuse, la bonne coéquipière. Parce que le travail sur le couloir est très bon. Et de la part de Dufour, encore une fois, elle prend le ballon, elle rentre intérieur. Elle glisse ce ballon coup de pied pour Karchaoui qui s'est engagé dans ce couloir. Derrière, il faut s'appliquer sur centre. Il manque une joueuse en retrait. Parce qu'il y avait seulement la présence de Jenny et de Gianni, Jenny le Sommer et Gianni au deuxième poteau. Peut-être un retrait pour pouvoir permettre à Karchaoui de trouver le bon ballon. La frappe de Le Sommer, c'est cadré. C'est bien stoppé cette frappe par Mikkelsen. Ça manquait de puissance. Et bonne prise d'initiative de Le Sommer qui est face au but. Et encore une première demi-heure très solide de la part de l'équipe de France. On le rappelle, n'a toujours pas encaissé le moindre but dans cette Ligue des Nations. Et le bon pressing de Guillaume. Sanctionné malheureusement. Elles sont proches, les Françaises. Des joueuses norvégiennes, elles les empêchent de se mettre face au jeu. C'est compliqué, ça manque aussi de mouvement côté norvégien. On allonge le jeu côté norvégien. C'est bien joué ça, de Renard. Avec Diani. Attention. Le ballon un petit peu court. Dégagé long par Constance Picot. La déviation de Diani, Le Sommer. Très forte. Et dans ce rôle-là, Le Sommer est dos au jeu. Elle a cette faculté à bien conserver la balle. Elle a dû perdre très très peu de ballons. Elle permet au bloc français de remonter. Elle rejoue toujours très proprement en remise. Propose encore. Les Françaises qui pour l'instant font preuve de beaucoup d'autorité dans ce match. Attention à ce ballon. La Vénus qui s'est remise dans le centre du jeu, qui peut décaler à gauche maintenant. Lund. Pour l'instant, il y a une bonne gestion sur le jeu long norvégien de la part de la défense française. Oui, la défense centrale, la défense française, pardon, qui a très peu joué. En tout cas, les joueuses françaises n'ont pratiquement pas joué en championnat la semaine dernière, puisque que ce soit De Almeida, Renard ou Karchaoui, elles ont été laissées au repos par leur club. Seul Grit Djembok a joué ses premières 90 minutes cette saison. Les autres n'ont pas joué du tout. C'est dommage, il faut s'appliquer là, Diani. C'est un ballon facile à donner à Le Sommer. Et notez que ça bouge entre l'Autriche et le Portugal, puisque l'Autriche vient d'inscrire deux buts en l'espace de 6 minutes. L'Autriche qui mène 2-0 et qui se replace dans ce groupe. Ça ferait 4 points pour l'Autriche, 9 pour l'équipe de France potentiellement. Et Djembok. Avec Elisa De Almeida qui va chercher Khadidia Toudiani. Amandine Henry. Ah, c'est bon jeu, il faut lui parler. La touche en faveur des Norvégiennes. Boerissa avec sa capitaine Mjelde. Doris Dautir. Et vous l'entendez, Hervé Renard qui demande à ses joueuses de ne pas trop reculer face à cette équipe norvégienne. Le ballon de Haug dans la surface. En direction de Gjelde. On écarte le danger côté français avec Diani. Prise finalement côté gauche. Le centre poussé par la tête de Grit Djembok et corner pour les Norvégiennes. Ça fait quelques minutes que le bloc norvégien est positionné beaucoup plus haut, vient chercher beaucoup plus haut et trouve ce corner. Il faut que les Françaises gagnent du terrain.
Premier corner du match pour les Norvégiennes après 35 minutes de jeu. Attention parce que ces coups de pied arrêtés sont des occasions de but pour cette équipe norvégienne. Tendu vers le deuxième poteau. Et une faute signalée sur Wendy Renard. De la part de Love Venus sur ce duel. C'était bien tiré, hein, mais Wendy Renard était dans la bonne zone. Il y a une poussette de Love Venus, encore une fois sur Renard. Love Venus qui, juste avant le corner, avait harangué la foule pour lui demander de les pousser un petit peu plus. Allez, il faut jouer plus vite, il faut mettre un peu plus de rythme. Les Norvégiennes qui viennent chercher les Françaises très haut. On va pousser de la tête par Wendy Renard. Borissa. Yel 2. Boris Dautir. Elles sont montées d'un cran les Norvégiennes et les Françaises qui sont trop bas. Il faut gagner du terrain là, elles reculent les Norvégiennes. Quand elles vont toucher leur centrale, il faut que le bloc français monte en même temps. Allez, il faut faire tout remonter là. Oui, Aïssa qui cherche l'ouverture. Il va s'appuyer là-bas à côté gauche sur Maloum. Bien prise par Elisa de Almeida. Bacha. Et on voit les Norvégiennes qui défendent en avance. Elles vont chercher très haut pour gêner les relances françaises. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher un long ballon et puis après faire monter ce bloc français. Parce qu'on voit que sur du jeu court, c'est un peu compliqué là depuis quelques minutes pour ressortir les ballons. Les Françaises un peu plus en difficulté lors de cette fin de première période, davantage bousculées. Elles mettent beaucoup plus d'agressivité, les Norvégiennes, à la récupération. Beaucoup plus haute, beaucoup plus proche. Meillon qui a trouvé sa coéquipière du Paris Saint-Germain, Sakina Karchaoui, qui remonte ce ballon. Dufour, sa gauche, bien joué. Dufour qui a été à l'origine du but français, qui va tenter de déborder. Elle va obtenir un corner. Concédé par Toris Dautir. Elle va dans la percussion, dans le 1 contre 1 du Fouret. Dans cette surface de réparation, elle a raison d'aller chercher le 1 contre 1. C'est toujours compliqué à défendre. Encore Selma Bacha, pourquoi pas pour trouver la tête de Wendy Renard. Ça sera repoussé plein axe. Virginie Dufour qui tente sa chance de loin. Elle a le mérite d'essayer la joue du Paris FC. Sans complexe pour sa toute première sélection. Et qui marque des points aujourd'hui incontestablement. Oh là, c'est en confiance hein, sur cette première mi-temps. L'ancienne joueuse des Girondins de Bordeaux et du LOSC. C'est vrai que la concurrence, elle va être féroce, Louisa, pour aller aux Jeux Olympiques. Et Hervé Renard, il a sélectionné 24 joueuses pour ce rassemblement. Il n'y en aura que 18 pour les JO l'an prochain, Paris 2024. Les places vont être très chères. Le bon centre, bon ballon, ça. Repoussé par Karchaoui. Bien défendu, heureusement qu'il y avait la couverture de Karchaoui. Hein. Deuxième poteau, parce que c'était vraiment un bon ballon. Et la frappe de Sophie Haug qui passera à côté. La joueuse de Liverpool qui n'a pas trouvé le cadre. On le voit, ce ballon est au point de pénalty avec une trajectoire rentrante. Ah, et puis derrière, elle a été compliquée. Hein. Compliquée cette reprise pour Haug. Cinq minutes avant la pause. Cinquantaine de supporters français qui sont en train de mettre l'ambiance là, en disant qui ne saute pas n'est pas français. Là, on voit que les Françaises ont plus de mal hein, en cette fin de première période.
Et au contraire, c'est les Norvégiennes qui tiennent le ballon. Avec les Norvégiennes qui se sont installées dans le camp français avec ce bloc bleu qui a reculé. Il faut remonter un peu là. Il faut aller les chasser. Et la couverture de Grit Jembok. Il faut s'appliquer du côté de Gianni, être capable de les garder, ces ballons. Pico qui allonge le jeu cette fois-ci en direction de Le Sommer. Gianni encore avec Le Sommer. On réclamait une faute côté français. Sur l'attaquante de l'Olympique Lyonnais. Il y avait peut-être faute sur Gianni. Bon pressing d'Amandine Henry. Ça permet au bloc français de remonter. Et tout de suite du Fourali sur la gauche. Elle est servie dans la profondeur par Selma Bacha. La couverture de Miel 2. Bien joué ce ballon en direction de Dufour, un peu trop près de Miel 2, qui avait anticipé cette trajectoire. Le Sommer qui va tenter de déborder, qui va rejouer derrière finalement avec Karchaoui, qui percute côté gauche. Elle ne prendra pas de faute, la joueuse du Paris Saint-Germain. Elle est venue buter la sueur Maria Torres de tir. Beaucoup de métier de la part de Torres de tir, parce qu'il y a quand même le bras pour écarter Karchaoui. Là voilà la joueuse de Brighton. Et toujours avantage équipe de France. Ici à l'Ullevål Stadion d'Oslo. Il y aura une minute de temps additionnel. Une minute. Bonne prise de balle de Borissa. Dans le sens du jeu maintenant, la joueuse de l'Atlético de Madrid avec Miel 2. Gayoro avec Dufour. Et la touche en faveur de l'équipe de France. Dufour. Il faut sortir. Amandine est là. Jembok avec De Almeida, on temporise côté français, on fait tourner avant la pause pour rentrer au vestiaire avec cette avance d'un but. Et Gianni qui va laisser ce ballon à De Almeida pour la remise en jeu. On va rentrer dans le temps additionnel de cette première période. Le Sommer. Encore une fois, c'est bien joué de la part de Le Sommer. Très bonne couverture de balle. Mais bien son corps en opposition, costé sur ses appuis. Darchaoui avec Dufour. Qui repique dans l'axe, la joueuse du Paris FC pour s'appuyer. Ah, dommage, la remise n'est pas bonne de Le Sommer. C'est bien joué de la part de Dufour d'entrée intérieure, d'aller chercher un point d'appui. Attention, allez. Heureusement que le ballon n'est pas bon pour Londres, parce que De Almeida était venu chercher intérieur, avait complètement libéré son espace et son couloir droit.
les dernières secondes de la première période avec le sommaire qui va chercher Diani. Et le coup de sifflet de Rebecca Welch. 1-0 à la pause en faveur de l'équipe de France. L'équipe de France encore super réaliste aujourd'hui, Louisa, après ses 45 premières minutes. Ouais, l'équipe de France a fait 30 bonnes premières minutes avec vraiment une belle maîtrise. Elles avaient le monopole du ballon sans forcément de changement de rythme, et puis sur leur première vraie incursion, elles ont ouvert le score par l'intermédiaire de Miel qui met le ballon au fond de son camp. Ce but contre son camp de la joueuse de Chelsea à la 23e minute de jeu, grâce à une excellente Julie Dufour qui a marqué des points durant ces 45 premières minutes. 1-0 à la pause en faveur de l'équipe de France. On repasse par Paris. On revient ici évidemment à l'Ulvela Stadium d'Oslo pour cette deuxième période entre la Norvège et la France. A tout de suite. De retour ici à Oslo dans le froid norvégien. La France qui mène 1-0 à la pause face à la Norvège grâce à un but contre son camp de la capitaine norvégienne Miel de la 23e minute de jeu. On va revoir ce but avec à l'origine de cette action Julie Dufour. Louisa qui a fait une excellente première période. Super travail entre Dufour et Gueyero, très bonne connexion technique, et puis derrière elle s'échappe côté gauche, elle rentre dans cette surface, elle adresse le centre et Miel 2 qui vient la mettre au fond de son propre but. Mais très très gros travail, très grosse activité de Dufour sur ce côté gauche. Et c'est vrai qu'elle a marqué des points, la joueuse du Paris FC, durant ses 45 premières minutes, avec une grosse activité côté gauche. Elle a amené du peps, de la vivacité, du dynamisme dans le jeu français. Et il y a eu beaucoup de maîtrise globalement dans cette première période du côté de l'équipe de France, même si les Bleus ont un petit peu reculé lors des 10 dernières minutes. Ouais, ça a été une première période assez fermée, mais avec une domination de cette équipe de France, où elle a su gérer les temps forts et temps faibles de ce match, avec un bloc norvégien qui s'est contenté de bien défendre avec ses deux lignes de 4 pour laisser le moins d'espace à nos Françaises. Et puis derrière, il y a eu quand même du beau jeu combiné et une belle activité, on l'a dit, hein, de Dufour. Elles ont simplement reculé sur les 10 dernières minutes où les Norvégiennes ont énormément poussé. Et maintenant, Louisa, on attend de voir cette équipe de France confirmée en deuxième période. C'est ce qui nous avait manqué lors des deux premiers matchs face à l'Autriche et face au Portugal. On n'avait pas eu un match plein de la part des filles d'Hervé Renard. Ce soir, on attend justement une prestation un peu plus aboutie durant 90 minutes. Oui, on espère une deuxième période aussi belle que la première, voire meilleure, avec plus de changements de rythme, plus de vitesse dans le jeu. Et puis voilà, qu'elle recule moins, qu'elle continue à aller chasser cette équipe de Norvège, parce que sur la deuxième mi-temps, elles vont revenir avec beaucoup de détermination, elles vont mettre beaucoup d'impact, beaucoup d'agressivité dans leur jeu, donc il va falloir répondre à cet impact athlétique. La satisfaction d'Hervé Renard après cette première période où l'équipe de France mène 1-0. Sachez que dans l'autre match qui oppose l'Autriche au Portugal à quelques minutes de la fin, l'Autriche mène 2-1 face au Portugal. L'Autriche qui remonterait à la deuxième place du groupe derrière l'équipe de France, à 5 points de l'équipe de France. On le rappelle, si les Bleus font carton plein sur ces deux matchs et que dans le même temps, eh bien l'Autriche est accrochée au prochain match face au Portugal, les Bleus iraient directement en demi-finale de Ligue des Nations. C'est l'un des enjeux majeurs, Louisa, clairement, de cette double confrontation face à la Norvège. Oui, et puis c'est un réel objectif du côté du staff français d'aller chercher ce trophée, cette Ligue des Nations féminine. La Ligue des Nations dont les demi-finales auront lieu au mois de février prochain, et ensuite on a envie de se projeter évidemment vers les Jeux Olympiques qui auront lieu au mois de juillet prochain, où là l'équipe de France sera très très attendue, Louisa. Ça sera l'objectif majeur qui a été coché par Hervé Renard. C'est là qu'on va les attendre. Complètement. On n'allait pas le juger sur cette Coupe du Monde, même si elle a été belle. Elle est côté français, mais voilà, on savait qu'il était arrivé juste quelques mois avant la compétition. C'est très difficile de préparer une telle compétition en peu de semaines. Les Jeux Olympiques vont être le vrai test d'Hervé Renard et de son staff. Hervé Renard, justement, qui va arriver dans quelques secondes au micro de Stéphanie Hépert pour nous livrer ses premières impressions après cette première mi-temps de l'équipe de France. Hervé, 1-0 pour l'équipe de France. Quel bilan vous faites de cette première mi-temps ? Une bonne première mi-temps. Une ou deux petites séquences où on recule un peu trop. Donc, garder ce bloc un peu plus haut, les empêcher de progresser, faire attention à leur jeu direct, parce que c'est ce qu'elles vont beaucoup rechercher en deuxième mi-temps. Et puis avec le ballon, on a des opportunités, notamment sur les côtés, être plus présent dans la surface, plus présente dans la surface de réparation. Voilà. Merci. Merci. C'est vrai que Hervé Renard se méfie du jeu direct des Norvégiennes, qui sont montées d'un cran durant les 10 dernières minutes de la première période, où elles ont un peu plus inquiété les Françaises. Vous avez à ce moment-là,
c'est quand on a senti les Bleus reculer finalement. Oui, le bloc français a reculé d'un cran. Les Norvégiennes ont été les chercher beaucoup plus haut, ont mis beaucoup plus d'agressivité, mais n'ont pas non plus vraiment inquiété Constance Picot dans le but. Donc voilà, on attend une équipe française très performante sur cette deuxième mi-temps. Et comme l'a dit le coach, il y a eu énormément de centres sur la première mi-temps qui n'a pas trouvé la bonne zone ou la bonne coéquipière. Donc il faut s'appliquer sur ce dernier geste. On se réactive côté norvégien, côté français, pour se réchauffer aussi. On rappelle la température, hein, 0 degré ici à Oslo. Love Venus qui a livré un gros duel avec Wendy Renard en première période. Elle a montré beaucoup de frustration. Elle n'a pas tout réussi face à Wendy Renard, notamment parce que elles sont en un contre un derrière, hein, que ce soit du côté de Grigenbock ou de Wendy Renard. Elles ont chacune leur attaquant à prendre, que ce soit Love Venus ou Hug. Pour l'instant, défenseurs françaises ont parfaitement contenu les deux attaquantes norvégiennes. Et les supporters de l'équipe de France qui sont là en tribune pour encourager les Bleus. Pour le 12e match d'Hervé Renard sur le banc de cette équipe de France féminine depuis sa nomination le 30 mars dernier. Pour l'instant, son bilan, 8 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Et c'est passé côté droit avec Bielde qui va centrer au point de pénalty. C'est sur la tête de Grigenbock. Tiani avec la montée de Almeida, bien contré avec ce tacle glissé de la part de Boerissa. Très beau geste de la joueuse de l'Atlético de Madrid. Très bon retour de Boerissa. Gianni. Bacha. C'est un bon ballon ça. Coup de pied fort au sol pour Gayoro. Avec Karchaoui. Dufour. La Karchaoui devrait des fois lui donner tout de suite à Dufour plutôt que de la conduire et d'aller vers Dufour. Du coup, elle amène le défenseur, elle lui laisse moins d'espace après derrière. Karchaoui, encore avec Dufour, Wendy Renard. Il faut tourner, il faut aller chercher sur la largeur là. Encore Wendy Renard qui vient couvrir ce ballon. Wendy Renard qui porte le brassard pour la 80e fois aujourd'hui en équipe de France. Elle se rapproche du record de capitana de Sandrine Soubéran qui l'a porté 84 fois. Autant vous dire que d'ici les JO, Wendy Renard va battre ce record. Et Hervé Renard qui vient d'envoyer en ce début de deuxième période trois joueuses à l'échauffement. Sandy Baltimore en attaque, Sandy Toletti la milieu et la défenseur Maëlle Lacrar. Et Clara Matteo à l'instant les rejoint. Elle l'a craqué, avait raté le dernier rassemblement de l'équipe de France. Blessé. Qui fait son retour avec les Bleus. Il est sévère. Hein. Carton jaune pour Amandine Henry, il me semble, sur cette faute. Sur Engen, elle vient lui marcher sur le pied. On parlait tout à l'heure du bilan d'Hervé Renard. Le bilan de la Norvège, de son côté, est quand même assez terrible en cette année 2023. Une seule victoire sur 10 matchs, et c'était contre les Philippines en Coupe du Monde.
D'Almeida pour la remise en jeu. Avec Diani. Le sommaire en appui. Toujours cette faculté à bien conserver le ballon de la part de la Lyonnaise. C'est bien parce que sur les ballons, quand on trouve Eugénie Le Sommer, il y a tout de suite une joueuse française qui vient se positionner en dessous d'Eugénie Le Sommer pour qu'elle puisse faire cette remise. La remise en jeu de Lund. Miel 2. Il va écarter à droite maintenant. Vertoris de tir. Engen. Harviken. Mauvaise transmission et ça profite aux Françaises. Par un bon pressing là de Eugénie Le Sommer qui fait reculer cette équipe norvégienne, toujours aussi précieuse. Il y a un gros travail à deux faits défensivement de Le Sommer. Ce premier rideau toujours ici essentiel évidemment. Là c'est bien anticipé ça de la part de D'Almeida qui se met dans la trajectoire de ce ballon. Et Bacha qui va obtenir la faute. Boerissa sanctionné. Bacha, on découvre quand même un nouveau rôle, hein, parce qu'on avait vu arpenter le flanc gauche pendant toute la Coupe du Monde, et là c'est vraiment dans le cœur du jeu qu'elle joue ce soir. Et elle touche énormément de ballons, la joueuse de l'Olympique Lyonnais, très active. Gros volume de jeu pour Selma Bacha, qui est devenue une joueuse incontournable dans l'équipe de France d'Hervé Renard. La voilà Selma Bacha. Avec Karchaoui qui va trouver la profondeur avec Julie Dufour. Il faut aller dans cette surface de réparation. Il faut se rendre disponible. Oh, elle est passée ça. Dufour. Elle a tenté la matière. Eugénie Le Sommer et la frappe lointaine de Selma Bacha complètement dévissée. C'est bien joué encore une fois. Hein. Dufour qui s'échappe, hein, côté gauche, qui adresse un centre en direction de Eugénie Le Sommer. Je pensais qu'elle allait la frapper. Hein. Une touche pied gauche. Malheureusement, elle était peut-être trop en avant sur le ballon, hein, on le revoit. Hein. Elle est trop en avant et derrière, elle cherche une déviation hein, pour Gianni, qui l'a un peu moins senti. Encore une fois, c'est bien joué de la part de Dufour. Hein. Et quasiment 10 000 personnes ce soir à l'Ulvella Stadion pour encourager les Norvégiennes. Bien mal en point dans ce groupe de Ligue des Nations. Et un bon ballon dans la profondeur pour Eugénie Le Sommer. Ah, il y a hors-jeu. Le drapeau qui s'est levé malheureusement. Ouh, il n'y a pas d'hors-jeu. Hein. Elle est couverte en bas hein, par Harviken, il me semble. Quoi qu'il en soit, elle n'avait pas fait le bon contrôle. Elle est revenue vers l'arrière. On abuse encore une fois de ce gelon hein, du côté de Miel 2. Très bonne défense hein, de Grijembok. Diani avec De Almeida. Il va servir Bacha. Il n'a pas pu redresser ce ballon. Ah, ils sont durs hein, ces ballons à négocier. Le long comme ça. Il y a peu d'espace dans le dos de la défense, peu de profondeur. Qui ressort pour l'instant de ces trois premiers matchs de Ligue des Nations pour l'équipe de France, c'est l'efficacité, la solidité, toujours pas de but encaissé. Et ce bon ballon capté là par Constance Picot, cette tentative de Maloum. Amiel 2 avait trouvé un bon ballon dans l'interline derrière le dos de la défense, notamment de Bacha.
Manoum qui percute, qui fixe plein axe et puis qui déclenche cette frappe qui manque de puissance pour venir tromper Picot. Vicky Béchaud est partie également à l'échauffement avec les quatre autres joueuses françaises. Darchaoui qui va tenter le grand pont, elle ne passera pas. Elle était toute seule face à deux, trois Norvégiennes. Il faut être capable là, de mettre le pied sur le ballon, de ressortir, de trouver une autre solution que la percussion seule. Bonne couverture d'Elisa de Almeida qui obtient la touche. Ah, pour l'instant, les Françaises défendent très bien hein, sur le jeu long et direct de la Norvège. Et de Almeida qui se fait bien également à ce poste de latéral droite. Elle qui évolue habituellement dans l'axe. On l'avait vu notamment face à l'Australie à la Coupe du Monde évoluer sur ce côté droit. Elle avait été très performante. C'est bien joué encore une fois, ce contrôle, cette protection de la part de Le Sommer. Ouais, bonne c'est anticipation. De la part de Wendy Renard qui a bien surgi. Très bonne anticipation de Wendy Renard sur ce ballon. Dufour avec Karchaoui. Elle a fait la différence, Karchaoui. Elle obtiendra même une faute et ça sera un carton jaune. Pour la Norvégienne Thea Piel 2. Nettement en retard et sur Karchaoui, elle ne joue pas du tout le ballon. La Parisienne qui était venue casser les lignes et qui obtient donc un coup franc. Deuxième carton du match distribué par Rebecca Welch. Et coup franc qui va être frappé maintenant par Julie Dufour. La joueuse du Paris FC. Première sélection aujourd'hui, on le rappelle. Pour l'ancienne joueuse des Girondins de Bordeaux. C'est tendu. C'est trop rentrant, trop profond, c'est dommage. Dans les gants de Mikkelsen. Encore cette consigne de Dervé Renard qu'on entend. Ne reculez pas. Effectivement, ça a été le bémol de cette première période lorsque les joueuses françaises ont trop reculé. Lors des 10 dernières minutes, c'est là où elles ont le plus souffert finalement. Très bonne couverture de Grigembourg sur ce long ballon encore une fois. Et là le bloc qui est bien remonté avec Dufour qui va au pressing sur Mikkelsen. Ah, Gianni, elle y était sur le côté droit tout de suite. Ah non, c'est trop fort ça, c'est pas là, le jeu n'est pas là. Des remarques qui montrent quelques signes d'agacement sur certaines transmissions, sur fait certains pas les bons choix. On ne fait pas les bons choix depuis quelques minutes, on manque de justesse technique. La Française qui affiche moins de maîtrise à l'entame de cette deuxième période.
Alors, mise en jeu française avec Elisa de Almeida. On approche de l'heure de jeu. Toujours ce but d'avance qui permet à l'équipe de France potentiellement de se détacher encore un peu plus dans ce groupe 2 de la Ligue des Nations. Et oui, mais c'est là où il faut qu'elle la donne tout de suite, Kershawi, parce que le fait qu'elle porte son ballon, elle ferme les espaces, elle permet aux Norvégiennes de revenir. Et voilà, on perd la balle. Alors que si au contrôle passe sur Dufour tout de suite, c'est un gain de temps, un gain de vitesse. Et puis les espaces, ils sont moins rétrécis, moins fermés. Ouais, ça fait plusieurs fois là que Sakina Kershawi a privilégié la solution individuelle. Et puis quand on la porte comme ça, même quand on trouve la joueuse derrière, on la met en difficulté parce que tout de suite elle a quelqu'un dans le dos. Love Vénus. Bon retour de Dufour. Très bon repli défensif de la part de la joueuse du Paris FC. Le relais avec Kershawi. Il perd ce ballon. Pas de faute sur la parisienne. Ça joue avec Boerissa. On écarte à droite avec Love Vénus qui va centrer. La tête, et ça le ballon qui tourne dans la surface. Oh, l'égalisation norvégienne! Le ballon qui traîne et Lund qui vient égaliser à l'heure de jeu. Un partout. On a été trop attentistes derrière. Et les Français sont punis. Un partout ici à Oslo entre la France et la Norvège. Elles ont joué très très intelligemment les Norvégiennes. Tout de suite elles ont été chercher l'espace libéré par Kershawi. Et puis derrière, on va le voir, hein. Kershawi encore une fois qui veut porter ce ballon derrière, la faute n'est pas sifflée. Elles vont chercher tout de suite l'espace laissé libre par Kershawi. Ce centre que je trouvais pas bon au départ, beaucoup trop haut. Et joué de la tête par Hug qui gagne son duel face à Delmeida et derrière ce ballon qui retombe sur Lund et qui vient tromper Pico qui l'avait touché pourtant. Hein. Je pensais que le ballon avait été freiné, ralenti, qu'il n'allait pas entrer dans la cage. Mais derrière, ça fait but et égalisation pour l'équipe norvégienne. Il faut revenir à un jeu plus simple du côté français. Premier but en sélection pour Marit Lund. Et ça fait donc un partout. Premier but encaissé par les Françaises dans cette Ligue des Nations. Et le match totalement relancé. Évidemment que ça réveille le public de l'Ulvela Stadion. Kani, il va servir le sommaire. Deux buts, elle s'est retournée le sommaire. La frappe, contrée. Et c'est dégagé par Mielde dans les pieds de Elisa de Almeida. Bien joué de la part de Gianni, ça. Ouf. Oh, Gianni, 4 contre favorable. Et ça prend retrait. Oh, il y avait le feu là dans la défense norvégienne. Avec Mikkelsen qui reste au sol maintenant. Avec Gianni qui était venu récupérer ce ballon. Elle a eu le contre-favorable, la joueuse de l'Olympique Lyonnais. C'était bien joué de la part de Gianni. Elle est venue récupérer ce ballon que protéger, qu'accompagner la joueuse norvégienne. Et derrière, elle vient au contact de la gardienne. Elle lui met un peu le ballon dans le visage, il me semble. Mais ça a été très chaud dans la surface norvégienne à deux reprises. Avec Mikkelsen qui reste au sol, on va avoir cette occasion. C'est la première occasion de Jenny Le Sommer qui arrive à se débarrasser de son adversaire direct dans cette surface de réparation. C'est sur ce ballon ensuite récupéré par Gianni qui va amener du danger. Elle se relève très vite. La Parisienne est là. Il y a contact visiblement avec ce pied qui vient heurter le visage d'Aurora Mikkelsen. C'est bien joué ce qu'elle fait. Elle se bat, elle réussit à garder le ballon dans le terrain. Et c'est là où il y a contact. Regardez. Mais il ne me semble pas que la faute avait été sifflée. Hein. Derrière, le jeu avait été... Quelques gouttes de sang là, pour Aurora Mikkelsen, la gardienne de Brann. Passée par Manchester United et Tottenham également. Ah,
Et donc à l'heure de jeu, ce score de parité, un partout entre la Norvège et la France. Les Françaises globalement qui affichaient un peu moins de maîtrise, Luisa, depuis le retour des vestiaires, et qui ont été punies par ce but de Lund sur ce centre qui paraissait a priori anodin. La déviation de la tête de Haug. Et ensuite, Lund qui vient pousser ce ballon au fond. Il y a deux duels de perdus dans cette surface de réparation. Au départ, on voit hein, que Lund Haug prend le dessus sur De Almeida. Et puis derrière, il me semble aussi, ah, c'est Grijenbok hein, qui la remet sur Lund qui vient tromper Pico. Mais ça fait un petit moment qu'il y a beaucoup d'approximations techniques de la part des joueuses françaises. Et là, on a vu les Françaises se réunir là, dans le rond central pour ressouder un petit peu tout le monde dans cette dernière demi-heure de jeu. Parce qu'évidemment que les Norvégiennes, maintenant poussées par leur public, vont pousser, vont mettre encore plus d'impact dans cette fin de match. Car on le rappelle, hein, la victoire est essentielle, capitale pour la Norvège aujourd'hui, pour espérer quelque chose dans cette Ligue des Nations. Arviken. Bon pressing encore de Le Sommer. C'est bien joué, c'est Le Sommer qui déclenche le pressing et derrière tout le monde suit. Il y a de l'espace là pour les Norvégiennes. Avec Bjeldo qui écarte à droite. Boris Dautir qui va chercher côté opposé. La remise en retrait, c'est bien fait de la part de Elisa De Almeida. C'est sereine, De Almeida sur cette tête pour Pico. La voilà la Parisienne qui va s'appuyer sur Le Sommer. Diani. Toute seule là-bas côté droit. Il manque de soutien Diani. Avec la main faute l'ancienne parisienne. Il faut aller chercher du jeu combiné hein, plutôt que de privilégier les actions individuelles. L'intervention de De Almeida qui a bien bloqué son couloir. Fait preuve de beaucoup d'autorité la parisienne là. Sandy Toletti et Vicky Béchaud vont rentrer dans quelques instants. Là il y avait bien faute là sur Khadija Fouliani de la part de Maloum. Il y a deux reprises. Une première fois elle a accroché, puis derrière il y a ce pied de Maloum qui fait trébucher Gianni. Alors que Bacha vient d'être sanctionné d'un carton jaune. La Lyonnaise s'est jouée rapidement. Il y a de l'espace à gauche pour les Norvégiennes. Le centre repoussé par Amandine Henry. Boris Dautir. Rissa avec sa capitaine. Une prise de balle de Bjeldo. Et le pressing français qui va payer avec Dufour. La frappe maintenant contrée de la part de Julie Dufour. Ils prennent beaucoup de risques les Norvégiennes dans les ressorties de balles. Une des toutes dernières actions d'ailleurs de Julie Dufour puisqu'elle va être remplacée par Vicky Béchaud. Elle a obtenu un corner, la joueuse du Paris FC. Avant de céder sa place dans quelques instants. Le corner à suivre pour les Bleus et pour le pied gauche de Selma Bacha.
corner tendu au premier poteau, c'est dévié de la tête par Wendy Renard. La tête décroisée de la Lyonnaise, impériale dans les airs. Et ça permet à l'équipe de France de reprendre l'avantage. 2-1 ici à Toulon en faveur des Bleus. Encore une fois, c'est Wendy Renard qui vient donner l'avantage à cette équipe de France. Très très performante sur coup de pied arrêté. L'âme fatale de cette équipe de France, de cette sélection. Le corner est parfaitement tiré. Coup de pied par Selma Bacha. Le petit pas de recul pour venir frapper ce ballon. Quelle tête décroisée de Wendy Renard. Imparable pour Mikkelsen. 37e but en équipe de France pour Wendy Renard. Superbe tête décroisée de la Lyonnaise pour sa 153e sélection. Elle redonne l'avantage à l'équipe de France. La voilà la tour de contrôle des Bleus. Deuxième but dans cette Ligue des Nations pour Wendy Renard. Quelle force sur coup de pied arrêté, quelle présence. Parce qu'elles sont pas simples à mettre. Elle va le chercher, elle fait un vrai geste. Une vraie tête décroisée, très compliquée à mettre. Ça sent sauter, elle vient couper cette trajectoire. Et les changements donc annoncés. Avec les sorties de Diagny également. Diagny et Dufour remplacé par Béchaud et Toletti, ce qui va donc amener un réaménagement de la tactique forcément côté français. Avec les sorties des deux joueurs, joueuses des deux ailières en quelque sorte. Et c'est Bacha qui va décaler, qui va retrouver son côté gauche du coup et qui va laisser le poste dans l'entrejeu à Toletti. Et Béchaud qui va venir se placer sur ce couloir droit. À la place de Gianni. Et vous avez noté également les changements côté norvégien, pardon, avec les attaquantes Seivik et Terland. Et la sortie de Manum. Et encore 20 minutes à jouer. Les Bleus qui sont repassés devant grâce à Wendy Renard. Bien joué ça. Intervention, belle relance de Wendy Renard. Et derrière, tout de suite, on prend la profondeur, la verticalité avec Béchaud. Et très bon retour. Très, très bon retour de Henger. On va concéder un corner. Et le but d'Hervé Renard, le but de Wendy Renard, ça vous a sans doute rappelé aussi la Coupe du Monde avec ce but contre le Brésil. Corner de Bacha, tête de Renard. C'est un grand classique. Ils se connaissent par cœur sur les coups de pied arrêtés. Il suffit d'un clin d'œil parfois pour que l'une dise à l'autre je vais au premier poteau ou je vais au deuxième poteau. Ça avait fonctionné contre le Brésil en fin de match, ça a encore fonctionné en fin de match contre la Norvège. Et la voilà encore Selma Bacha avec son pied gauche. Oh, ça a rasé le poteau d'Aurora Mikkelsen. Quelle frappe décochée par Selma Bacha. Magnifique, quelle frappe tendue, puissante. Je pensais qu'il y avait but, que le petit filet opposé avait été trouvé par Bacha. Ça passe vraiment pas loin de la cage de Mikkelsen. Quelle qualité de frappe chez Bacha. Et c'est vrai que vous le disiez Stéphane, sur chaque corner, Selma Bacha, elle sait où déposer le ballon. Sur la tête de Wendy Renard, elles se connaissent par cœur. Toletti, en retrait vers Mbok, la sortie de Picot. Elle avait bien anticipé la parisienne. Et ce match est loin, loin d'être terminé. Béchaud. La touche en faveur des Françaises. Avec Karchaoui, ça c'est une connexion qui marche très bien également. Bécha Karchaoui côté gauche,
Et au fil des matchs, au fil de cette Ligue des Nations, on voit quand même clairement une ossature se dégager de Misa dans cette équipe. Un système de jeu également, un 4-3-3 avec des joueuses cadres qui sont installées maintenant. Et avec une Amandine Henry qui fait son retour en force en équipe de France, qui amène tout son impact, sa combativité au milieu de terrain. Très important dans ce rôle de sentinelle. Amandine Henry. Et encore Eugénie Le Sommer qui est venue gratter ce ballon avec Béchaud. Qui s'est retourné très vite, Vicky Béchaud. Le centre vers Guillaume, qui a prolongé ce ballon capté en deux temps par Mikkelsen. Bien fait de la part de Béchaud. Elle se sert de Lund pour s'enrouler, s'échapper côté droit et derrière elle va dans la percussion face à Harviken. Elle trouve ce centre premier poteau très bien coupé par Guillerot. Bonne présence de Guillerot dans cette surface de réparation qui met un bon pointu sur Mikkelsen. Et Almeida, le centre au deuxième poteau. La reprise de volée de Eugénie Le Sommer qui passe juste au-dessus de la barre. Le geste de l'attaquante, de la buteuse. Et d'Almeida hein, qui part sur son côté droit lancé par Béchaud. Et derrière, elle va chercher ce deuxième poteau. Quel geste tenté par Eugénie Le Sommer, ça méritait but hein, tout ça. Malheureusement, le ballon s'envole et passe au-dessus de la cage. Elle est très très forte hein, dans cet exercice-là, Eugénie Le Sommer. On aurait aimé voir le 93e but de Eugénie Le Sommer en équipe de France. Celui-ci, il aurait été magnifique. Et les Françaises qui sont beaucoup mieux, qui finissent fort ce match. Le Sommer qui peut décaler à gauche. Poletti, encore avec Le Sommer, qui a trouvé Vicky Béchaud. De la part d'Amandine Henry. Il va falloir bien gérer ces transitions et rapides vers l'avant de la part des Norvégiens. On est dans le dernier quart d'heure de jeu. Ici à Oslo, toujours 2-1 pour les Bleus. Les Norvégiennes avaient égalisé. Mais les Françaises ont repris les devants au tableau d'affichage grâce à ce coup de tête de Wendy Renard. Ouais, en fait, c'est vraiment l'égalisation un peu surprise des Norvégiennes qui a redonné un coup de fouet à cette équipe de France, hein, qui était un peu ralentie en début de deuxième période. Et un nouveau changement se prépare côté norvégien. Lisa Nalsund va rentrer à la place de Vilde Boerisa au milieu de terrain. Et la faute sur Grace Gayoro, sanctionnée par l'arbitre anglaise de ce match, Rebecca Welsh. Vicky Béchaud. Joué encore une fois de la part de Béchaud. Quel jeu de corps. Long dégagement de Mikkelsen, directement sur la tête de Renard. Darchaoui avec Toletti. Et Le Sommer qui n'obtiendra pas de faute. Engen. Ils ont du mal, les Norvégiennes, à ressortir ce ballon. Amandine Henry qui temporise. Toletti. Quatrième changement qui se prépare également encore côté norvégien. L'attaquant c'est avancé. Bien fait. Le 1-2, le Sommer. On a trouvé Guillaume au plein axe. Le Sommer qui va écarter maintenant à gauche. Bacha avec Karchaoui qui arrive lancer. Le centre. Ça sera derrière la cage
de Mikkelsen. Il faut s'appliquer un petit peu plus. C'est dommage, cette situation offensive était très très bien amenée. Le jeu en une touche des Françaises était très propre, très bien fait techniquement. Et derrière, dans le dernier geste, Kershawi qui se rate, ça manque de justesse. Et la sortie donc de Sophie Haug, l'avant-centre de la Norvège. Remplacée par Katinka Tandberg, numéro 15. Bien sûr, le changement que je vous avais annoncé avant, l'entrée de Lisanne Alsund à la place de Vilde Boeriza. Et en cas de défaite, les Norvégiennes qui seraient scotchées à la dernière place du groupe avec un point seulement. Toujours bien positionné, Wendy Renard. Engen. Et ballon perdu par les Norvégiennes. Entrée Amandine Henry. Les 10 dernières minutes de jeu. Pressing de Toletti, de Le Sommer également. On sort bien, Engen au milieu. Bien anticipé, bonne intervention de Wendy Renard. C'est vraiment le pilier défensif de cette sélection française. Et elle ouvre en côté droit vers Elisa de Almeida. Et la faute, elle est signalée sur la parisienne. De la part d'Elisabeth Terland. Le tirage de maillot et de short. Ouais, le maillot, le short. C'est logiquement sanctionné. Rijenbok. Et puisqu'on parle de Wendy Renard, vous vous souvenez qu'il y avait eu un France-Norvège en début d'année déjà, hein, à Angers, ça avait fait 0-0. Et c'est à l'issue de ce match que Wendy Renard avait annoncé qu'elle ne voulait plus jouer en équipe de France, sous les ordres de Corinne Diacre. Ça avait... Très bonne couverture encore une fois de Wendy Renard, et quelle lecture de jeu. Elle est sur toutes les trajectoires. Ça avait amené donc la domination. Avec la main, un carton pour Love Venus. C'est vrai que le duel il est âpre depuis le début de la partie entre Wendy Renard et Mimi Lovenius. On revoit tout de suite, ça se projette vite vers l'avant. Derrière cette belle couverture de Wendy Renard qui avait tout lu, tout anticipé. Elle montre, c'est pas la première, pas la deuxième, pas la troisième de Lovenius. Ben elle a compté Wendy Renard, ça fait 4 fautes de Lovenius. Ça commence à faire beaucoup. La déviation vers Vicky Béchaud. Béchaud plein axe, qui n'a pas pu prolonger ce ballon vers Sakina Kershawi. Et attention au contre-norvégien, avec Lovenius justement, qui va centrer vers Tandberg. Et ça sera un corner en faveur des Norvégiennes. Bonne couverture au deuxième poteau, hein. Bon retour de Dalmeida. On va voir encore tout de suite, hein. Ça va très vite dans la verticalité. Hein. Projection... très rapide vers l'avant. On prend les formations et on met ce ballon au deuxième poteau. Bon retour de Dalmeida. Bon retour de la Parisienne, corner à suivre. Le pied gauche de Lund vers le deuxième poteau. Et la bonne prise de balle de Constance Picot. La nouvelle numéro 1 de l'équipe de France qui s'impose dans les airs. Très bonne présence dans le jeu aérien pour venir capter ce ballon. Ça fait du bien, hein, toute une défense. Amandine Henry.
Ça repart proprement de derrière. Darchaoui. Toletti, il faut qu'elle reste à hauteur de Kershaoui pour qu'elle puisse lui donner. Elle est montée d'un cran, elle a fermé l'angle de passe. Attention à ce pressing norvégien. Lars Gaillero là qui se fait bouger par Lisa Nalsund. Elle obtient la touche tout de même, la joue du Paris Saint-Germain. Les Norvégiennes qui jettent leur dernière force dans ce match pour aller chercher l'égalisation. Et encore Eugénie Le Sommer qui a du jus pour aller au pressing. Encore un gros match hein, de la numéro 9 de l'équipe de France. Bavard d'effort vraiment pour venir en aide au pressing dans ce premier rideau. Très précieuse hein, dans le jeu d'eau au but. Soit c'est long ballon. Et Djembo encore en travers Picot. Il relance sur Engen. Il faut remettre ce ballon au sol. Et pourquoi pas la profondeur avec Biki et Chaud. Et la sortie de Mikkelsen. Oh, la faute là sur Eugénie Le Sommer. Il va être sanctionné. Il y a aussi de la frustration chez les Norvégiennes. Je joue pas du tout le ballon, Terland. La Norvège qui avait recollé au score, je vous le rappelle. Avant que Wendy Renard ne redonne l'avantage. Au bleu, sur corner, ce coup de pied arrêté. Selma Bacha pour frapper ce coup de pied arrêté, ce coup franc. Ah, bien joué ça. C'est décalé à droite avec De Almeida. Le centre au point de pénalty. Ça revient sur Vicky Béchaud. Les dernières minutes de jeu. Les Françaises bien parties pour faire le carton plein au terme de ces trois premières journées de Ligue des Nations. Oh, attention, la relance ratée de Constance Picot. Et là, on s'expose côté français. Sans conséquence, heureusement, mais grosse erreur d'appréciation là. Heureusement que les bons choix ne sont pas bien faits du côté de la Norvège. Venus qui peut écarter à gauche avec Terland. Et attention à ce genre de saut de concentration qui peuvent coûter très très cher. Se mettre en danger toute seule là, côté français. Attention à ces relâches plein axe. Voilà, elle tente tout pour le tout, les Norvégiennes. L'attaquante Bizette, Cécile Bizette, qui remplace la défenseur Maria Toris Dottir. Une attaquante supplémentaire donc pour terminer ce match et essayer d'arracher l'égalisation. La joueuse de Tottenham qui fait son entrée en jeu. Allez, pour les 5 dernières minutes de jeu maintenant, avec le temps additionnel.
Le centre au point de pénalty, c'est repoussé par De Almeida. Placé encore une fois d'Almeida. Oh, la frappe, elle est cadrée. Elle s'est bien couchée, Constance Picot, sur cette frappe de Lund, déjà buteuse tout à l'heure. Elle s'était bien couchée sur le ballon. La gauchère norvégienne. On va revoir, elle est sur cette double tête. Hein. Très bon équilibre, hein. Coup de pied, bien fouetté. Ça manque peut-être de puissance pour venir tromper Constance Picot. Bien capté ce ballon par la parisienne. Vicky Béchaud. Avec le soutien de De Almeida. Encore Béchaud. Qui peut centrer tendu. Ça sera un centre-tir même de la part de Vicky Béchaud. Et le ballon qui n'est pas sorti. Bacha. Passe passe appuyé vers Eugénie Le Sommer. Ce sont des ballons faciles à jouer. Derrière, on donne une situation offensive à la Norvège. Elle a fait le mauvais choix, heureusement. Marit Lund. Le changement côté français. Pour ces derniers instants, les 5 minutes de temps additionnel, Amel Majri et Sandy Baltimore vont entrer. Pour casser davantage le jeu dans ce temps additionnel, le double changement d'Hervé Renard. Guillaume. Et la Marseillaise qui résonne ici à Oslo. La France qui fait un pas de plus vers les demi-finales de la Ligue des Nations. La France, en cas de succès, aura 5 points d'avance maintenant sur l'Autriche, deuxième du groupe. Et c'est une avance confortable, évidemment, avant les 3 derniers matchs. Mardi prochain, la France recevra la Norvège à Reims. Avant de recevoir ensuite le 1er décembre à Rennes, l'Autriche et de finir au Portugal. C'est Béchaud qui prend la place de Eugénie Le Sommer en pointe. Baltimore qui vient prendre ce côté droit et Amel Majri le côté gauche pour finir cette partie sur les dernières minutes de ce match. Les dernières minutes du temps additionnel. Avec cette équipe de France qui a fait preuve encore d'efficacité aujourd'hui, de réalisme. Et pourquoi pas aller chercher un troisième but avec Toletti. Il va décaler à gauche. Bacha, le centre contré. Ça sera dans les gants. Borora Mikkelsen. Les dernières options pour les Norvégiennes qui allongent le jeu. Baltimore. Avec Almeida contré. Et attention à l'opportunité norvégienne, pourquoi pas. Bon retour d'Amandine Henry. La Vénus de la surface, le centre au deuxième poteau. Ça sera
Un ballon en faveur des Françaises. Avec une position de hors-jeu de toute façon. Et les Norvégiennes qui confirment leur difficulté du moment avec cette nouvelle défaite. Un seul point pris en trois matchs par la Norvège dans cette Ligue des Nations. Et la Norvège qui est sous la menace maintenant même d'une relégation en terminant dernière du groupe potentiellement. Et un carton pour Constance Picot qui a gagné un petit peu trop de temps pour relancer ce ballon. Long dégagement de la gardienne parisienne. Les dernières secondes de jeu ici à Oslo. Baltimore. Majerie tout de suite. Ah, c'est dommage. C'est Baltimore la frappe. Ça sera directement dans les gants de Mikkelsen. Elle fait le choix de la frappe. Mais au départ, il y avait vraiment un petit ballon à glisser pour Majerie. Entre la latérale et la centrale. Et elle filait au but. Dernier ballon, négocié par Sandy Baltimore, c'est fini. La France s'impose ici à Oslo, 2 buts à 1. La satisfaction pour Hervé Renard, évidemment. Carton plein pour les Bleus. 3 matchs, 3 victoires pour l'équipe de France dans cette Ligue des Nations. Elle peut avoir le sourire, Wendy Renard. C'est encore elle qui vient offrir la victoire à cette équipe de France. Victoire très très importante pour les Bleus aujourd'hui, ici à Oslo. Alors que les Norvégiennes avaient égalisé à l'heure de jeu, Wendy Renard a redonné l'avantage à cette équipe de France. Sur coup de pied arrêté 9 minutes plus tard. Et ça permet donc à l'équipe de France de se rapprocher encore un peu plus des demi-finales de la Ligue des Nations. Résultat évidemment à confirmer. Mardi prochain à Reims. Mais ça sent bon pour les Bleus pour atteindre le dernier carré de cette compétition. La satisfaction de Wendy Renard, buteuse aujourd'hui. Une nouvelle fois en équipe de France. Dans l'ensemble, cette équipe de France a quand même été dominatrice dans le jeu. A quand même maîtrisé son adversaire. Il est vrai qu'il y a eu quelques temps faibles où la Norvège a poussé, a été les chercher, les a mis en difficulté. Mais je ne connais pas d'équipe qui domine sur l'ensemble d'un match. Il y a toujours des temps forts, temps faibles. Elles ont été quand même performantes sur leur temps faible. Et elles ont résisté aux assauts norvégiens. Les Norvégiennes réunies au cœur du terrain qui s'inclinent donc face à l'équipe de France. Avec ce premier but inscrit par Miel 2 contre son camp après ce gros travail de Julie Dufour en première période. Les Françaises qui menaient 1-0 à la pause grâce à ce but de Miel 2. Mais les Norvégiennes vont revenir à la 60e minute de jeu. Avec ce but de Lund qui est là à l'affût au deuxième poteau pour égaliser. Un partout à l'heure de jeu. Mais ensuite Wendy Renard va surgir sur coup de pied arrêté. Grâce à ce corner de Selma Bacha et ensuite, c'est la grande classique, cette tête décroisée. Il y a une vraie connexion entre Bacha et Renard. Il y a une vraie qualité de frappe et puis qualité de déplacement et de jeu de tête chez Wendy Renard. Et Hervé Renard aux côtés de Stéphane Lippert. Hervé ? Oui, une extrémiste Hervé finalement. Finalement, carton plein, hein. 3 matchs, 3 victoires. C'est parfait sur un plan comptable. Oui, c'est bien. Dans 2 matchs à l'extérieur, 2 matchs pas faciles. Des circonstances un peu particulières ce soir, fallait s'adapter. On a eu un peu froid, mais l'important, c'est les 3 points. Et on entend derrière vous les supporters français qui crient Hervé. Hein. Ouais, c'est bien, ouais. Je les ai payés pour qu'ils scandent mon nom, c'est pour ça. Merci. Merci. Il n'a pas besoin de ça, Hervé Renard, qui fait le carton plein dans cette Ligue des Nations. 3 matchs, 3 victoires pour les Bleus. Les Bleus qui retrouveront la Norvège mardi à Reims. Et ensuite, ce sera le 1er décembre.
à Rennes face à l'Autriche. Ce sera sur France Télévisions, évidemment. Les prochains rendez-vous sport, tout le sport demain, 20h sur France 3, en direct du Havre pour la Transat Jacques Vabre. Et ensuite, Stade 2 dimanche, 20h10 sur France 3 avec Francaise, l'entraîneur du Racing Club de Lens, qui sera l'invité de Mathieu Lartaud. Merci Louisa. Merci à vous. Merci à Stéphane Lippert d'avoir affronté le froid également ici à Oslo. Merci à toutes les équipes techniques de Tristan Nolin, Christine de Saint-Denis, Lou Démarre à la rédaction en chef et Olivier Chabrol à la production. Passez une excellente fin de soirée sur France Télévisions. À très vite.